Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit Photoshop. Aujourd'hui on continue notre série de mock-up puisqu'on va encore parler d'objets dynamiques et euh, surtout d'objets dynamiques en perspective. Donc on partira d'une image de base. On viendra appliquer une petite teinte, une petite saturation. On créera notre gabarit avec, euh, comme vous le voyez, une petite ombre interne, ainsi qu'un floutage en haut et en bas. Ça peut être utile hein, si vous avez, par exemple, si vous voulez faire une mise au point sur un élément de, de votre screen. Et puis on ajoutera un petit peu de grain et de reflets, comme vous le voyez euh, sur l'écran, afin de rendre le tout un peu plus réaliste. Euh, je vous rappelle le principe du gabarit. Euh, en objet dynamique, hein, on double clique dessus. Du coup, un onglet euh, Photoshop s'ouvre avec notre visuel, au bon format bien sûr. On a juste à venir changer de visuel, à venir enregistrer et Photoshop se charge de changer automatiquement le screen tout en gardant la perspective et les propriétés de l'objet dynamique, c'est-à-dire l'ombre interne et le floutage ici, donc on ne le voit pas trop, mais le floutage est bien présent. Vous avez juste à rechanger encore une fois deux screens, de revenir en arrière ou d'en ajouter un autre pour que cela s'applique automatiquement à votre, à votre gabarit. Donc euh, voilà, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les fichiers sources, vous en aurez besoin, à tout de suite. Allez c'est parti, on commence le tuto. Alors comme d'hab, vous venez télécharger le fichier source puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver l'image qui va nous servir de base pour réaliser le mock-up. Et surtout, euh, bah, vous aurez le PSD, hein, si vous voulez utiliser euh, le, le fichier Photoshop pour créer votre, vos, vos propres mockups, du coup vous pourrez réutiliser ce, euh, ce document. Donc un petit clic droit sur euh, macbook.jpeg, ouvrir avec euh, Photoshop. Donc là on a une image d'assez bonne résolution, vous voyez en 100% on y voit quand même assez clair. Donc euh, tout ça c'est parfait. On va commencer par euh, créer un nouveau calque de réglage, histoire d'enlever de, euh, bah de, de, un petit peu de, de couleur. Donc à la limite, on va pouvoir jouer sur les, la saturation. Donc on vient cliquer ici dans euh, les calques de réglage pour en créer un nouveau. Et on va venir cliquer sur euh, teinte saturation. La saturation, on peut la baisser un petit peu, hein, on peut la mettre à moins 40 par exemple. On va créer un nouveau calque de réglage en couleur unie et cette fois, on va appliquer une petite teinte. Donc, on peut se mettre en une couleur chaude, hein, un, ja un jaune-orangé par exemple. Ou, euh, si vous voulez, ben, vous pouvez vous mettre euh, dans une couleur un peu plus froide, par exemple, un bleu. Une fois que vous avez créé votre, euh, votre euh, calque, de, euh, calque de réglage couleur unie, vous le passez directement en produit. Et là, on vient baisser son opacité, on vient se mettre à 15%. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très léger, mais ça apporte une petite touche quand même de, euh, de chaleur, je trouve, à l'image. On va venir créer un nouveau calque. Donc, soit on clique sur l'icône à côté de la corbeille, soit on appuie sur les touches Command, Shift, N ou Contrôle Shift et N pour créer un nouveau calque que l'on peut venir appeler par exemple Gabarit. Voilà. Donc, on va se servir de ce gabarit hein, pour changer automatiquement nos, euh, notre fond d'écran. Ce calque Gabarit, on va venir lui appliquer à l'intérieur, euh, par exemple, un outil rectangle arrondi on vient cliquer n'importe où on se spécifie euh, on peut spécifier une largeur de 1024 par 768 hein, ce qui équivaut à un ratio écran donc 1024 par 768 au niveau de l'arrondi on peut peut-être se mettre à 3 pixels partout et on fait ok donc là c'est parfait donc si bien que euh, le fait euh, d'avoir créé donc un ratio euh, de type écran, ça va nous permettre de l'élargir hein, en fonction de, euh, de la largeur de, de l'image euh, que l'on a en arrière-plan. Tout de suite, ce qu'on vient faire, c'est clic droit, créer, euh, euh, convertir en objet dynamique. Et ce que je vous disais, hein, c'est si on fait un petit CTRL T ou commande T, on peut venir l'élargir euh, sans pour autant perdre de, de qualité. Donc là, l'idée, ça va être de suivre la perspective de l'écran. Donc à la limite, on vient zoomer un petit peu. On peut se mettre à 200%, histoire d'être un peu plus précis. Et on va venir bah, se placer ici dans l'angle en haut euh, à gauche hein, de, de l'écran. On vient basculer sur l'angle opposé, un petit coup de CTRL-T. On appuie sur Commande, et puis on, on va venir ramener l'angle ici en haut à droite. À ce niveau, donc de l'écran, on essaye de garder le petit liseré noir hein, qui est d'origine dans, dans, dans la photo. On fait exactement pareil en dessous. On appuie sur commande ou contrôle et puis on vient ramener ce point ici dans le coin inférieur bas de, euh, de l'écran. Et pareil à l'opposé, on appuie sur commande ou contrôle et on vient ramener ça ici. Donc on essaye vraiment de suivre la perspective de l'image. Là, on n'est pas trop mal. Si vous trouvez que vous êtes bien, ben vous cliquez sur, euh, vous appuyez sur Entrée et euh, pour valider. Donc ça, on peut fermer le groupe d'onglets. Donc là, on se retrouve avec un gabarit hein, blanc, donc euh, normal. Ce qu'on peut venir faire tout de suite, c'est lui appliquer une petite ombre interne, histoire de rendre l'effet un peu plus réaliste. Donc on double clique sur le calque, on crée une petite ombre interne, et euh, au niveau de l'angle, on peut se mettre à peu près, euh, on va se mettre à 90, et au niveau de la taille, vous voyez, on va pouvoir l'augmenter un petit peu. Donc, euh, après, à vous de, de gérer euh, l'angle, l'inclinaison en fait du dégradé. Vous pouvez aussi jouer avec la distance si ça vous souhaite, si vous euh, le souhaitez. Donc, moi je vais la mets à 0, mais la taille, hein, on, on, je vais la mettre à, allez, à 40. Et l'opacité pour l'instant, je vais la laisser à 75. On pourra revenir dessus tout à l'heure. On clique sur OK. Donc là c'est parfait. Et euh, bah, maintenant ce qu'on va, euh, qu va faire c'est qu'on va venir placer une image comment, euh, à l'intérieur. Donc comme lors du euh, précédent mock-up, hein, on va venir double-cliquer sur Gabarit pour du coup euh, que Photoshop nous ouvre un nouvel onglet. Et là, vous pouvez remarquer hein, que le bar gabri est parfaitement euh, rectangulaire et reprend hein, le ratio que, euh, que l'on avait spécifié, c'est-à-dire 1024 par 768 pixels de haut. À l'intérieur, on va pouvoir venir glisser une image. Donc, par exemple, si je réduis un petit peu, je vous ai mis à disposition... Donc dans, euh, dans le fichier source, teammate.jpg, hein, qui correspond à l'accueil du site de Teammate. Donc euh, vous pouvez faire un clic droit ouvrir avec Photoshop. Un petit coup de commande ou CTRL A pour tout sélectionner, CTRL-C ou commande C pour copier. On retourne dans gabarit.psd et on fait commande V ou CTRL-V pour coller. Un petit coup de CTRL-T hein, pour tout simplement et de chiffre pour réduire le euh, le document donc l'image. Donc on appuie sur shift hein, pour garder le ratio et puis là on peut venir le euh, positionner comme ceci. On peut venir cliquer sur euh, commande S ou contrôle S pour enregistrer et là si on retourne dans notre euh, dans notre maquette, et eh bien là Photoshop nous a automatiquement créé notre, notre perspective et appliqué du coup l'image euh, que l'on a insérée dans le gabarit. Donc là vous voyez en plus ce qui est bien c'est que l'ombre interne est aussi appliquée hein, donc euh, parfait donc c'est vraiment quelque chose euh, d'intéressant pour accentuer un petit peu euh, l'effet de, euh, de prise de vue on va dire euh, là vous voyez que c'est quand même assez net on va venir flouter partiellement le, euh, notre image donc vu qu'on est sur un calque dynamique là on va pouvoir prendre l'outil lasso au niveau du contour progressif, on peut essayer de se, les, de se mettre à 20, on va voir ce que ça donne. Et on va venir tout simplement donner un petit coup comme ceci de sélection dans la partie haute. On appuie sur Shift. Et là, on peut donner aussi un petit coup de sélection dans la partie basse. Voilà. Et on va venir cliquer sur Filtre. On va venir cliquer sur Flou et sur Flou Gaussien. Donc là, on c'est un, un peu too much ici, hein, euh, vous voyez. Donc du coup, on va baisser un petit peu le flou. On va le mettre... Allez, on va se mettre en 1,5. Et on va cliquer sur Entrée. Donc là, on vient juste de, euh, de flouter, vous voyez, notre, euh, notre gabarit, en fait. Vous voyez, tac. Du coup, ça donne quand même une, imp une impression un petit peu plus, euh, un petit peu plus réaliste. Hein. Là, c'est comme si on avait fait une mise au point sur le bonhomme et puis sur le formez-vous, par exemple. Donc à ceci comme d'hab, bon, on peut rajouter un petit grain, si on veut. Donc, on peut venir créer un nouveau document, qu'on peut appeler, un nouveau calque, que l'on peut appeler grain, et euh, qu'on va remplir, par exemple, de blanc. On va venir cliquer sur filtre, on va venir cliquer sur bruit, ajout de bruit. Et là, bon, on peut garder les mêmes, euh, les mêmes quantités euh, que la dernière fois, donc 15%, en répartition gaussienne et monochromatique, et on fait OK. Son mode de fusion, on vient le mettre en produit, et on vient baisser euh, tout ça. Hein. On vient se mettre, euh, par exemple, en, en 40, c'est peut-être un peu beaucoup, on peut se mettre en 30 euh, ou en 20, allez, en 20%. Vous voyez, ça, on applique un petit grain, c'est pas forcément visible pour vous, mais vous le verrez, vous, euh, quand vous ferez ce tuto. Hein. Voilà, ça apporte une petite touche euh, supplémentaire hein, à, au mock-up. Après, si vous voulez aller encore, euh, encore plus loin, hein, afin d'accentuer un petit peu, euh, pour, pour qu'on focalise un petit peu plus sur, euh, sur l'écran, on peut venir se positionner sur le calque d'arrière-plan. Donc, on peut double-cliquer dessus pour le déverrouiller et cliquer sur filtre correction de l'objectif, on va ajouter du, euh, du vignettage, donc du coup on va venir cliquer sur personnaliser et on va augmenter vous voyez la quantité ici de, de vignettage, c'est à dire que vous voyez les coins ici s'assombrissent, donc vous pouvez jouer aussi un petit peu sur le milieu, vous faites ok et là vous voyez on a quand même bien à, à assombri les coins, donc là on se focalise un petit peu plus sur l'élément central, hein, sur du coup sur le graphisme du, euh, du site internet. Donc, euh, donc voilà, après libre à vous d'appliquer euh, une autre teinte hein, si vous voulez, plutôt partir voyez, dans les bleus, dans les, euh, dans les bleus plus euh, plutôt des euh, bleus ciel. Après voilà, libre à vous. Moi j'ai tendance à rester dans une ambiance un petit peu euh, plus chaude, euh, parce que je préfère tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est vrai que euh, vous pouvez vraiment en double cliquant sur le gabarit hein, appliquer encore une fois n'importe quel, euh, quel visuel. Un hein, titre d'exemple, si euh, je fais une sorte de dégradé du, euh, du gris euh, au noir, voilà, comme ceci, que je prends donc euh, mon outil texte et que je tape mock mockup, up par exemple donc à la limite je vais le réduire un petit peu tac je vais agrandir tout ça voilà je de le centrer à peu près j'enregistre mon gabarit je reviens et voilà j'ai mon mockup up qui s'affiche bien dans mon écran et photoshop garde encore une fois la perspective donc, euh, donc bah voilà, j'espère que, euh, bah que vous avez apprécié euh, bah ce tuto. Donc là vous voyez que si euh, on décoche quand même le, euh, le calque gabarit, bah on se retrouve quand même avec l'image d'arrière-plan. Donc vous ferez attention, si on zoome un petit peu plus, j'ai dû laisser vous voyez, un, petit, euh, un petit liseré blanc là. Donc du coup, euh, vous pouvez refaire un petit coup de contrôle T si vous le souhaitez. Afin et de zoomer un petit peu pour être un peu plus précis, afin d'augmenter un petit peu plus, vous voyez, ce point-ci. Voilà. Si on fait entrer et qu'on relâche, vous voyez. Donc là, du coup, c'est beaucoup mieux. Le petit liseré blanc euh, a presque disparu. D'accentuer euh, encore une fois le, le réalisme, on peut créer aussi un petit reflet si on veut sur l'écran. Donc on peut venir créer un nouveau calque hein, qu'on va appeler euh, reflet. Là, on peut zoomer un petit peu plus. Tac. Là, on va pouvoir prendre le lasso. À la limite, on peut prendre la pipette et euh, prendre une couleur, sélectionner une couleur de, de l'écran, par exemple. Donc, ça fait un petit crème. Et euh, là, ce qu'on peut venir faire, c'est se positionner dans le coin ici en haut à droite. On clique, on appuie sur Alt. Et puis, là, on va venir bah, créer un reflet hein, comme ceci, par exemple après, libre à vous de créer le, le reflet que vous souhaitez. Tac. Par contre, attention. Là, vous voyez que j'ai gardé mon contour progressif. Donc, attention, on se remet à zéro. Donc, on va le refaire. On appuie, on clique, on appuie sur Alt. Donc, on essaye de bien se mettre en haut. Voilà. Donc, après, il hein, y a 36 000 façons de faire des reflets. Là. Une fois qu'on a fait quelque chose comme ça, bah on peut venir remplir donc Shift et Retour en couleur de premier plan à 100%. On n'hésite pas à baisser l'opacité. Hein, on la met par exemple à 20%. Et à la limite, on va rester sur le même calque et on va en recréer un petit à côté. Donc on clique, hein, on appuie sur Alt en même temps. Voilà, on peut faire quelque chose comme ceci. Tac. ou à voilà, la limite ce qu'on peut venir faire c'est créer on va faire une pointe ce sera je préfère créer des petites pointes c'est plus réaliste voilà et on vient fermer la pointe en haut tac et là on peut faire shift retour et là en opacité par exemple hein, on peut se mettre à 50 par exemple et voilà donc là voilà on vient de créer notre notre petit reflet donc après libre à vous d'en créer euh, par exemple ici ou euh... c'est à vous de voir donc voilà, on va s'arrêter là pour euh, ce tuto. Euh, bah déjà, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il va vous servir hein, pour vos mises en situation. Si euh, vous avez envie que bah, je fasse d'autres tutos gratuits euh, sur du mock-up, bah, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me solliciter. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous solliciter sur Facebook. Hein, euh, la communauté est plus grande, hein. on, réagit, on réagit beaucoup plus sur, sur notre page. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez aussi aimé ce tuto et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu informé des prochains tutos. Et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre site internet www.teammate.fr. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Au revoir!